quartier qui est calme et voilà, c'est l'horaire qui a rattrapé une vie tranquille, on va dire. On habite le quartier depuis des années et on vient témoigner un soutien à la famille, hein, juste en déposant un bouquet, parce que ben, comme beaucoup de gens, la majorité des gens, ça nous brise le cœur. Voilà, c'est insoutenable. 12 ans, pauvre gamine, une histoire de vengeance personnelle, c'est vraiment stupide, quoi. C'est plus aucun sens humain de rien, quoi. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Vendredi, le temps s'est arrêté un instant pour chacun d'entre nous. La France s'est figée de stupeur, de douleur et d'horreur en apprenant le supplice de la petite Lola, cette jeune collégienne dont la vie a été enlevée en plein jour et en plein Paris, de la pire des manières qui soit. Une fois de plus, la suspecte de cet acte barbare n'aurait pas dû se trouver sur notre territoire, et ce, depuis plus de 3 ans. Une fois de trop. Et vous ne pourrez pas évacuer le sujet comme vous le faites en toutes circonstances et comme vient de le faire le ministre de l'Injustice en criant à la récupération et en attaquant par cet argument éculé ceux qui s'en scandalisent. Trop de crimes et de délits sont commis par des immigrés clandestins que l'on n'a pas voulu ou pas su renvoyer chez eux. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Le Pen. Un peu de décence, Madame la Présidente. Un peu de décence et respectez la douleur de la famille, Madame la Présidente. Alors bien sûr, il n'y a pas de mots pour exprimer la douleur d'une famille face à la perte d'un enfant. Le président de la République a reçu ce matin les parents de Lola et il a pu leur exprimer toute l'émotion et toute la solidarité de la nation. Et je souhaite devant vous, au nom du gouvernement et je pense en notre nom à tous, leur m'associer à la peine de cette famille, Madame la Présidente. Vous voyez, face à un drame, d'abord respectons la douleur de la famille et laissons la police et la justice faire son travail.